sukkel ga neena ku ci julli ñenti rakka rakka bu ci nek mu jang fatiha ben yon ayatul kursi muy allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum banimu egge ci aliyul azim ben yon la koy jang inna anzalnahu fi laylatil qadri fukki yon ak ñaar bala mo joge fama ko don defe neena des nako jegal bakaram yu jek ak bakaram yu mujji te des nako bindal tiyaba yi juroom fukki nit ci way deegal ni manam ñu gëna deegal dal bo ci limi juroom fuk seen tiyaba yalla dina ko defal tiyaba ci tol nonu waye tamit suñ borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal tiyaba yi juroom ñaar fukki nit ñade ci jihad te bala mo genn aduna dana mos lu bok ci meññati aljana te des na ko ramulo juroom ñaar fukki nit ño xamni ñomit sawara yeyon na len moy sawara lañ warona dem ce jour du 10e nuit du mois de Ramadan celui qui effectue 4 rak'a dans lesquels il récite pour chacune d'elles al-Fatiha une fois suivi du verset Ayatul Kursi une fois et de la sourate Al-Hadr inna anzalna fi laylatil qadri 12 fois sera absous de tous ses péchés les premières comme les derniers avant de quitter le lieu de prière il bénéficiera aussi de bienfaits accordés à 50 hommes de Dieu parmi les plus véridiques et ceux accordés à 70 personnes tombées au cours d'une guerre sainte il lui sera également demandé de sauver de l'enfer 70 personnes qui étaient destinées.